Hey, salut à toi, individu de l'internet. Tu regardes le premier épisode, la web chronique qui te parle du premier épisode de n'importe quelle série télé du moment ou d'avant. Et là, tout de suite, maintenant, si tu aimes les bandes de potes, les pubs, ainsi que les costumes, alors ce premier épisode est fait pour toi. C'est parti, tout de suite pour... How I Met Your Mother. How I Met Your Mother est une sitcom américaine créée en 2005 par Carter Bays et Craig Thomas, également producteur et scénariste de la série. Elle a duré le temps de 9 saisons, soit 208 épisodes répartis de 2005 à 2014 sur la chaîne CBS. Mais qu'est-ce que How I Met Your Mother ? La série raconte l'histoire de Ted Mosby, architecte, qui explique comment il a rencontré la femme de sa vie et mère de ses enfants à ces derniers. Ils sont assis sur un canapé dans leur salon et font face à leur père, qui commence à raconter ses péripéties amoureuses. Le problème, c'est que nous sommes en 2030 et que son récit commence en 2005. Son histoire voit intervenir son groupe d'amis, qui sont Marshall, Lily, Barney et Robin, qui vont voir Ted chercher désespérément le grand amour. De là en découlent les histoires rocambolesques, dont certaines mettront en scène d'autres filles avant la tant espérée mère, qui seront pour Ted tout le grand amour. Cette série peut être qualifiée comme l'héritière de Friends, créée par Martha Kaufman et David Crane. Ça reste un groupe d'amis à qui il arrive des aventures et des déboires, mais là où How I Met fait évoluer l'idée est que l'aventure racontée par Ted est faite de façon non linéaire et aussi plus crue, là où Friends racontait l'histoire d'un groupe d'amis de manière chronologique. De plus, de nombreux éléments seront récurrents dans la série, comme la Ducky Tie ou encore le Brocode. De quoi traite le premier épisode ? Le premier épisode, nommé en France Insigne, a été scénarisé par Carter Bays et Craig Thomas, et réalisé par Pamela Fryman. Il dure 20 minutes, durée normale pour une sitcom, qui permet de placer l'histoire dans la ville de New York, dont le lieu principal de la série est le pub en bas de chez Ted, le McLaren. Nous commençons l'épisode avec la demande en mariage de Marshall à Lily, qui va faire réfléchir Ted sur sa vie sentimentale. Il va alors tenter de trouver sa future femme, et rencontrera Robin, dont il tombera éperdument amoureux dès le premier regard. Barney le présente avec sa punchline « Je présente Ted » pour qu'ils aillent manger ensemble le lendemain soir, jusqu'au moment où il est invité chez la demoiselle. Cet épisode nous présente le groupe qui se connaît depuis longtemps dans leur lieu de rencontre favori. La dernière, Robin, peut être considérée comme l'élément perturbateur et nouvelle arrivante dans la bande d'amis. Cependant, comme dit le Ted de 2030, cette rencontre n'est qu'une partie du puzzle pour enfin découvrir comment il a réellement rencontré leur mère, histoire qui va durer au total 8 années. Et sinon à part ça, la série n'a pas été inventée de toutes pièces, mais s'inspire de la vie de ses créateurs. En effet, l'un d'eux a épousé sa petite amie de la fac, comme l'ont fait Marshall et Lily, tandis que l'autre porte les traits du personnage principal, Ted Mosby. Ce sont d'ailleurs les créateurs qui ont fait la musique du générique. Elle se nomme Hey Beautiful et a été créée avec leur groupe The Solid. L'univers de la série n'est pas que fictif. Pour exemple, les nombreux sites internet créés et cités par les personnages du show, ainsi que les œuvres de Barney Stinson, comme le Brocode ou encore le Playbook, disponibles à la vente dans les magasins du monde entier. En parlant de Barney Stinson, ses réputées punchlines qui ont rendu son personnage célèbre n'ont pas été inventées au fur et à mesure de la série, mais bel et bien au tout début. Elles sont toutes dites par son personnage lors de l'épisode pilote. Et enfin, les acteurs qui jouent les enfants de Ted en 2030 savaient déjà la fin de la série avant tout le monde. Ils ont tourné au commencement des premières saisons leur scène de fin, qui sera utilisée 9 ans plus tard lors du season finale. Le premier épisode sur How I Met Your Mother est terminé. Si vous l'avez apprécié, alors commencez la série dès maintenant, si possible en VO, car dire « c'est légende », attendez la suite, « dare, légendaire », au lieu de « it's legend », wait for it, « dairy, legendary », bon bah, ça passe pas trop. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux pour que le monde entier connaisse How I Met Your Mother. Puis en ce qui me concerne, je vous dis à la prochaine pour un nouveau premier épisode.